Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat David Ben Fortuna Mazal Fritna et Dvora Bat Esther et Elio Venish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions en Sechet Nedarim, Perikhe, Mishnah Bet. Aya Echad Menashuk Mudar Me Echad Mehem Anaa. Lo Ikanes Lechatzer. Rabbi Elezer Ben Yaakov Omer, Yachol Hulo Marlo, Letor Shel Chavercha Ani Nichnas, Ve Eni Nichnas Letor Shelcha. Suite de la Mishnah précédente, avec encore un nouvel aspect de la même machloket de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. On explique de quoi on parle, on rappelle très rapidement. On parle de deux associés, deux associés en copropriété. Par exemple, deux voisins qui partagent une même cour, une cour qu'on ne peut pas, qui n'a pas de quoi pas la couper en deux. Elle est trop petite. Maintenant, parce que, comme on a expliqué, il faut 4 amot, arba amot à l'arba amot, en plus de ce qu'il y a devant les portes. Et on a une cour trop petite, donc on ne peut pas la partager en deux. Maintenant, on était tous les deux interdits de profiter, c'est ce qu'on a vu dans la mission précédente, qu'il y avait soit on est tous les deux mutuellement interdits de profiter l'un de l'autre, soit il y en a un qui est interdit à l'autre. On avait vu une marloquette entre Blazer Yaakov et Chachamim. Qu'est-ce qu'on fait? Selon Chachamim, il n'y a aucune solution, on ne peut pas rentrer dans cette cour, parce que lorsque je vais rentrer dans cette cour, je vais forcément marcher chez toi et je n'ai pas le droit de profiter de chez toi. Puisqu'on ne peut pas la partager cette cour, il n'y a pas de quoi la partager. Chaque centimètre carré de cette cour, elle appartient à moitié à moi, un peu à moitié à toi. Lorsque je vais marcher dessus, je vais forcément marcher chez toi, je n'ai pas le droit. Sur Rabbi Elazar ben Yaakov, il nous pensait un principe de Yesh Brera, qu'on éclaircit, que chaque fois que j'utilise la cour, je viens l'utiliser en prétendant, en revendiquant mon droit personnel d'utiliser la cour. Et on va considérer qu'en fait, c'est comme si que. En ce moment, quand je l'utilise, elle m'appartient entièrement à toi, et quand toi tu l'utilises, ça devient entièrement à la tienne. On avait vu deux cas de figure dans la Mishnah précédente. Le cas où on avait, donc on a dit, soit tous les deux on s'est interdit, soit un qui s'est interdit à l'autre. Maintenant, on découvre encore un nouvel aspect de la même marloquette. Cette fois-ci, nous, on n'a pas de problème, tous les deux voisins. Mais par contre, c'est Réhouven, qui est mon très cher ami, mais c'est votre pire ennemi. Et vous avez fait un éder entre vous qui ne profite pas de chez vous. Et la question, elle est, est-ce que Réhouven, il peut venir chez moi? Allez, quand il va rentrer chez moi, il va forcément marcher dans votre cour, et il est interdit de profiter de vous. Alors est-ce qu'on va utiliser, on va dire de nouveau, que Yesh Brera, et il est en train d'utiliser ma cour, pas la vôtre? Ou bien non, En Brera, même principe, avec la même marloquette, exactement. Aya Echad Menashuk Mudar Me Echad Me'em Ana'a. Il y avait une personne du chouk, une tierce personne, de l'étranger, du chouk du marché, une personne, d'accord. Chez Moudar, mais Echad Mehem Ana. Donc lui, il n'avait pas le droit de profiter, il était interdit de profiter par les Nedarim, de l'un d'eux, soit de moi, soit de vous. Loïkanes Lechatzer, selon Chachamim, il ne pourra pas rentrer dans la cour, il n'aura pas le droit de venir chez moi, même si c'est mon très cher ami. Pour venir chez moi, il doit passer par chez toi, il n'a pas le droit de profiter chez toi, il ne peut pas venir chez moi. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Elazar ben Yaakov nous dit non, Yacholou Lomar. Il pourra toujours prétendre de nouveau. Les torches chavercha nirnas, ve nirnas torches. Il pourra venir et il rentre. Et si vous lui dites qu'est-ce que tu fais chez moi, il va dire je rentre pas chez toi, je rentre chez mon ami. Il vient chez moi, il rentre pas chez toi. D'accord? Il vient lui aussi grâce à mon droit de rentrer chez moi. Il va utiliser ce droit pour rentrer chez moi. D'accord? Il va utiliser mon droit de prétendre que maintenant, en ce moment, il utilise ma partie et pas la vôtre. C'est clair. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Selam.